Eh bien, salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale aujourd'hui qui change de d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un produit qui est juste ici, que je viens de recevoir il y a quelques jours. Donc je vais vous le présenter. Donc je remercie la marque qui m'a offert ce produit. Donc c'est CV Life, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas avant honnêtement. Donc c'est une entreprise américaine qui m'a envoyé ça. Donc on va la regarder ensemble aujourd'hui. Demain on va la tester dans une armurerie pour faire du sanglier courant, pour la régler, pour voir comment ça se passe. Et après dans les prochains jours on va faire un petit peu d'approche ornard. Donc on va pouvoir la mettre en condition. Et puis voilà, vous allez pouvoir faire votre propre avis, le mien aussi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc on va l'ouvrir ensemble, donc c'est la marque CV Life. Je remercie encore, ils sont venus me voir, ils m'ont offert le produit. Donc vous avez un code de réduction qui est 10MAN, donc 10, le chiffre est MAN, M-A-N, tout attaché. Et vous avez 10% de réduction sur toute leur boutique. Donc je les remercie. Donc ils m'ont envoyé la 1x6x24 LPVO Reef Scope. Donc je vais vous ouvrir ça, elle est juste là. Donc j'ai déjà regardé un petit peu, moi. Donc il y a les piles, donc je les ai déjà mis, mais il y a d'autres piles. Et voilà la bête qui est juste ici. On va faire attention quand même. Donc la voici. C'est vrai, on le voit bien ici. Donc en 1x6x24. Donc j'espère que vous la voyez bien. Donc pour tous ceux qui me demandent, quand vous commandez les lunettes, elle n'arrive pas nue. Donc c'est un kit complet, vous avez bien sûr la lunette, donc les capuchons de chaque côté. Et moi j'appelle ça donc les rails, donc ce qui permet d'accrocher la lunette à la carabine. Donc voilà, donc ça c'est un kit où il y a tout compris, donc c'est pas des options en plus. C'est compris dans le prix. Donc on va regarder un peu plus près tout ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là-dessus? Donc j'ai mis les piles déjà, donc ici au-dessus, je vais essayer de tout ouvrir quand même. On va voir plus ça demain. On va l'emmener dans l'armurerie. Donc les petits capuchons, donc quand il pleut, donc ça c'est quand même pas mal. Hein. Donc, on peut les tourner, les bouger. Donc ça vous a un petit peu ça partout quand même. Donc là je suis en grossissement 1. On peut augmenter jusqu'à 6. Donc juste ici, après on va regarder ce que ça donne. Et de l'autre côté. Donc là, c'est pour la régler. Là, je vous ai dit les piles. Et donc là, ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, 0, vous allez voir, c'est neutre. Il n'y a pas de couleur. Après, 1, 2, 3, 4, 5 en couleur verte. Et vous avez la même chose pour le rouge ici. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais vous montrer ça juste dehors. Donc là, j'ai juste vraiment posé juste au bord de la fenêtre, juste pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Si j'arrive à bien faire le petit zoom qui va avec. Donc voilà à l'intérieur ce qu'on voit. Donc là on est en zoom 1, donc il n'y a pas de zoom. Neutre aussi, hein, on le voit bien. Là vous voyez le zoom là, j'ai réussi à bien le voir. Bon, ça bouge un peu, mais là on est vraiment complètement, on a l'impression qu'on est dans l'arbre qui est juste devant nous. J'ai pris encore un peu au-dessus, on est vraiment dans les branches. Donc là on a le zoom 6, et après je vais vous montrer avec les couleurs. Vous pouvez voir sur le côté à gauche, je me suis mis à 5. Rouge à fond, donc là c'est la plus grosse couleur qu'on va avoir. Donc là on voit bien le rouge, donc pour aller en bas dessus, etc., pour remplacer même un point rouge. Vous voyez, on est vraiment bien là, on le voit bien le rouge au milieu. Donc là on a la petite Ulysse en vidéo, et là en vert, allez, même qu'on voit le noir, regardez le vert comme on le voit bien. Là, tac, et voilà le vert. Donc on a pu voir quelques petits points à voir brièvement cette lunette. Demain, je vous dis, on va aller sur le stand, on va regarder tout ça un peu plus loin, on va regarder comment ça se passe au niveau du tir, au niveau du réglage. On va regarder ça, puis après on va aller sur le terrain. Donc à l'affût, à l'approche, ornard. Puis on va bien voir ce qu'on en pensait. Donc je remercie encore CV Life de m'avoir donné cette lunette, de faire le partenariat aujourd'hui, pouvoir vous la montrer. Hein, par exemple, ceux qui ont un peu moins de budget, parce que là-dessus, on est aux alentours de, que je me trompe pas, on est dans les moins de 200 euros. Oui, 200 euros. On est en dessous, donc ça reste un budget quand même assez important, mais par rapport à ce qu'il y a sur le marché, on est quand même
beaucoup plus, on est inférieur quand même. Et en plus de ça, vous avez, faut pas oublier les 10% de remise, donc 10 man, je vous le répète, donc là-dessus. Donc ce qui est pas mal sur toute la boutique, il faut également des points rouges. Donc je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour aller directement sur leur site internet et je vous le conseille. Donc voilà, donc moi je vous dis à demain et vous, bah, ça va être dans quelques minutes. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'armurerie Gilles à Flers en Normandie. Donc c'est une armurerie que je vais pas mal. C'est pas une OP, c'est juste une armurerie que j'aime bien parce que j'achète mes cartouches là-bas, je teste ma carabine. Donc pour commencer, il y a une personne qui va me régler la carabine, donc à 50 mètres. Donc on peut voir la troisième balle, la deuxième et la première à 50 mètres qui la met dans le neuf, donc très bien. Puis après on va faire un sanglier à l'arrêt à une trentaine de mètres et après on va faire deux balles. Sanglier courant, et donc les deux je les mets un peu au-dessus de l'oreille, je visais l'oreille, donc c'est très bien pour une première sortie. Maintenant, place aux choses sérieuses. La chasse à l'affût et à l'approche, c'est également passer beaucoup beaucoup de temps dans les champs, à observer, à surveiller un peu tout ce qui se passe, à voir la faune et la flore autrement, à passer des très bons moments en bonne compagnie, et à voir aussi les dégâts des renards, des blaireaux et de certaines espèces qu'on peut avoir sur le territoire, jusqu'à ce que l'opportunité enfin arrive. Thank you.
À ce moment, j'aperçois Sornar en train de muloter dans le champ. Je décide donc de longer le maïs et de rentrer dans le champ caché derrière ce Rumbaler. Et je vois Lornar à une centaine de mètres, sous le chêne à droite, en train de muloter. Donc là, on a le palpitant, les poils hérissés. On essaye de se contrôler, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il fait très chaud en plus. Donc je décide de l'appeler. Faire des petits bruits de mulot pour qu'il se rapproche. À ce moment-là, dans ma tête, c'est très simple. Je sais que je dois le tirer. Je dois essayer une balle à plus de 100 mètres, mais bon, je pense que c'est ma dernière chance parce que je vois qu'il est assis, qu'il écoute, qu'il observe, qu'il sent. Donc, je me dis que je dois tirer. Et au moment où je vais pour appuyer sur la gâchette, malheureusement, je vois Sornar qui fait demi-tour. Avec un peu d'analyse, c'est une erreur de débutant ce que j'ai fait. J'étais au vent, donc il y avait le vent qui venait en plein sur Lornar, donc il n'y a rien qui allait, donc là c'est vraiment de ma faute et je m'en veux énormément à ce moment là Bon, petit récap. Donc là j'étais sur la route qui est juste derrière moi là, et je garais juste là, et pour moi j'avais cru voir un lièvre au fond, donc je décide de prendre mon appareil photo, le mettre au bord du maïs et de regarder. Sauf que là je vois ce jeune renardo, il y avait un chevreuil au fond, un lièvre. Donc j'ai décidé d'avancer là tout le long. Un rang de maïs, je le voyais. Je voyais qu'il venait vers moi, donc je me suis dit, je fais pas la même erreur. Je fais pas de bruit. Là, je pense que c'était un jeune, il serait venu. Et puis, je décide de le tirer à. Je vais faire les pas, mais il y a entre 40 et 45 mètres quand même. On s'en rend pas compte avec la GoPro. Petite pause après analyse. Donc, j'ai complètement oublié d'allumer la GoPro sur cette action. Je pensais l'avoir fait. Une erreur de débutant, encore une fois. En plus une belle action vraiment, j'approche bien Lornar, je marche une centaine de mètres, je tire une balle à plus de 45 mètres, j'ai rien pour poser la carabine, je tire juste à genoux, donc voilà, très content, j'aurais pu faire mon premier renard avec la lunette CV Life. Mais allez, on ne perd pas espoir. Et la lunette, donc la CV Life, celle qu'on a vue au tir, donc très content. J'ai mis au zoom à fond et donc parfait. On voit bien que c'est un jeune quand même. C'est le troisième que je fais cette année. C'est le premier jeune. Avant j'ai eu deux adultes. On voit bien la première balle, elle est là. Il est juste là, donc super bien placé. Bon, c'est vraiment top. On enchaîne cette fois-ci avec une autre action. Donc là, j'aperçois le renard en train de muloter donc dans le champ en face de moi, où il y a les vaches. Je décide de me placer au plus vite pour être dans les meilleures conditions. À ce moment-là, j'ai vraiment le cœur à 100 000. Je passe peut-être 5-10 minutes à observer Sornar, qui est à 50 mètres de moi, mais malheureusement, je peux pas le tirer.
pour l'instant, parce qu'il y a les vaches qui sont à côté de lui, donc vraiment je veux faire un tiers parfait. Il y a la maison qui est en face aussi, donc voilà, j'attends qu'il puisse se décaler. Moi, je bouge pas, j'attends. J'ai pas envie de refaire la même erreur, et je pense qu'au bout d'un moment, ça va payer. C'est juste des images formidables à voir. Puis tout d'un coup, il décide de s'énerver, de bouger. Donc là, je me dis que c'est le moment, j'ai le cœur qui monte, et qu'il va peut-être s'arrêter pour que je puisse pouvoir lui mettre une belle balle. Et en fait, finalement, non, il continue, et là, je suis juste vert à ce moment-là, je suis dégoûté. Je me dis que j'arriverai jamais à vous filmer une scène en entier. Mais voilà, je décide donc le lendemain de retourner au même endroit, et j'aurai finalement la belle rencontre de leur voir, et j'espère que ça va se passer autrement. Et le lendemain, je le vois exactement dans le même champ, mais il y a le même souci, il y a la maison en face, les vaches. J'essaie de l'appeler, et je me dis qu'au bout d'un moment, il faut que je bouge, il faut que j'essaye de me rapprocher pour... Si lui ne veut pas bouger, là c'est moi qui vais bouger aujourd'hui, et ça va peut-être se passer autrement. Revoyons ça ensemble au ralenti. Donc là, je décide de m'approcher, de me mettre sur un chêne. Donc là, la carabine est plus ou moins positionnée. J'essaie de prendre mon souffle, de trembler le moins possible. Je positionne mes caméras. J'attends. Puis là, je vois qu'il bouge pas. Donc je décide de lâcher cette balle. Là, on est à plus de 50 mètres encore. Là. Donc voilà. Malheureusement, en GoPro de la Star là, on voit pas très bien à cette distance là. Donc là, je lui mets une balle de coup, il se couche net. Et là, maintenant, c'est les émotions qui parlent. Deux tirs avec la lunette. Deux renards. Ça fait 3 fois, 4 fois, c'est la cinquième fois que je le vois. Ça... Putain. C'est tout bon pour certains. Je suis sûr qu'ils disent, mais c'est juste un renard. Mais quand tu l'as chassé 5 fois, c'est un super renard, il est magnifique, vous allez voir. C'est beaucoup d'émotions. Putain. Juste magnifique. Une deuxième, une troisième fois, tu le vois. Une fois, je le vois en boulot. L'autre jour, je le vois, je peux pas le tirer parce qu'il y avait 20 là, je me disais, mais une fois, je me décale. Et là, 50 mètres. Yes! Yes! Putain, j'ai quelques minutes. T'inquiète, dernier clairement un pack. Et la lunette Save a Life 1.6. Top. On va aller voir. Regardez-moi ce renard, il est juste magnifique. Il est bien beau comme vous le voyez, c'est juste magnifique. Ça, c'est des très très beaux animaux. Et bon, on peut en faire quelques-uns. Un beau blanc en dessous, les pattes noires, comme j'ai vu. La queue bien mise, le bout blanc. Je pense que c'est le plus beau que j'ai fait de loin. Enfin, pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop ça, vous voyez l'entrée, elle est là. Elle est juste là, à la base du cou. Je suis à une cinquantaine de mètres, donc... Vraiment, la lunette, j'ai pas grand-chose à lui dire.
qu'on a fait l'été, ça a été très très précis, je trouve quand même. Les deux tirs, bah, j'ai rien à dire. Bon, il commence à faire nuit, on va se dépêcher. Je suis très content. Comme je vous dis, je l'ai vu plusieurs fois à plusieurs reprises, donc ça augmente encore plus l'intensité. Je suis très très fier. Donc cette année, cette saison, j'ai pu en faire 4 renards. Là, je m'arrête. C'est le dernier, c'est sûr. Donc mes deux premiers avec mon point rouge. Et là, mes deux derniers avec ma lunette CV Life, que je remercie énormément. Je pense qu'il y en a qui vont dire, bon, c'est pas la meilleure. C'est vrai, hein. Il existe plein de lunettes avec des grandes marques, M-Point, etc. C'est pas ça non plus, c'est pas ça que je veux dire. C'est une lunette qui fonctionne, vous avez pu le voir. J'ai pu prélever deux renards quand même à des belles distances. Donc ça fonctionne. Après, dans le temps, ça voilà, je verrai. Mais là-dessus, on n'a rien à dire. C'est une lunette qui coûte dans les 140 euros. En plus, avec le code promo 10MAN, vous avez moins 10% sur toute la boutique. Donc voilà, ça fait vraiment une lunette pas chère. Quelqu'un qui a pas trop d'argent, j'ai envie de dire, pour commencer, ça peut être pas mal l'entre-deux. Donc non, je suis très très content. Honnêtement, je vais la réutiliser. Là, les battues vont arriver, donc je vais peut-être la changer parce que je préfère un point rouge. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Une vidéo qui change. Première fois que je faisais de l'affût de l'année, de ma vie, de ma carrière. Et donc j'ai voulu vous faire filmer ça. Je pense que c'est sympa. C'est une adrénaline assez forte quand on est sur le moment de tirer. On l'a pisté pendant plusieurs jours, on a observé, on le voit, on essaye de le suivre. J'ai fait peut-être 500 mètres avant de pouvoir me rapprocher de lui. Et puis au moment où on le voit, respirer, bloquer sa respiration, c'est très très compliqué. Puis là, on voit un animal juste magnifique. Alors, les renards, il en faut, ça c'est obligatoire, il en faut pour plein de choses, plein de bonnes raisons. Vous voyez, là, il est en train de chasser. Par contre, quand il y a un voisin qui se fait manger 15 poules, un autre une dizaine de canards, c'est que là, à un moment donné, qu'on en voit partout, 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 vraiment, on en voit partout cette saison, c'est qu'il y a un souci. Les battues, on en fait, mais bon, on a du mal à trouver des maïs partout aussi, donc c'est compliqué avec tous ces maïs. Donc, il faut en prélever quelques-uns, mais il en faut. Voilà, je suis très content parce que je n'ai pas fait une grosse quantité non plus, mais j'ai fait des bornards. Lui, je le cherchais depuis des moments. Il y en avait peut-être d'autres plus sympas à faire, mais voilà, je voulais celui-ci. Je le trouvais juste magnifique et je suis très très fier. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'ai pu vous transmettre des belles émotions. N'hésitez pas à aller sur le lien sur la boutique Save Life. Le lien est en commentaire dans la description. Vous voyez, je suis encore essoufflé. Il commence à faire nuit là. Je remercie encore toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et voilà, vous pouvez me suivre sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos qui vont arriver. Je fais une vidéo tous les mois, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour regarder toutes les nouvelles vidéos, de me suivre sur mes différents contenus où je publie pas mal de photos, de vidéos, tout ça, tout ça. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo, ça m'aide énormément, hein. Vous voyez, je m'équipe petit à petit pour vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et voilà, et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, merci.